Ça m'a fait une micro-coupure. Bon. Obila slave. Conje. Fluffy Yaspa. Shipnoy. Alors un petit épisode bonus jusqu'à l'anniversaire de la petite, hein. Oh, Fina. C'est Betty Wange. Le pont de Bluma. Naguna Shelnick. Maypick and Narva. Infalliness. Crimbo. Chilorborinka. Blue-Eyed. Galvin. Yuva. Zarenia. Question con, mais... Oh, non, 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 pas cette question, ça va faire une histoire. Je vois pas tout. Tabu Fondo Bay Bacala. Not a fish, Yasharu. Chimo Livka. Umbribaza. Guavarani Bayuni. Oh, Ulak. Yamful Apolitaba. Weezo Sayib. La petite. Oula. Wemek Farub. Shishali. Flavuna. Parler à l'inconnu. Multigrosh. Cleave. Tanifazu. Liva. Oh. Freeba. From. Omof. Nibor? Nilko! Yeah, boy, yeah. Torgi! Shooksafazoo, huh? Hembo Bleed? Huh? Oh, my Bevel? Oh, Shimukwarb! Elles ont bien la tête de leur père, hein, de Caleb. Hein. Elles ont bien... Enfin, la première, on va voir ça pour Merkel la seconde. Zero? Ha! Zool! Ah, Shagak! Burimi Downse! Hibina Palachaba! Lord! Elle est où la tchotte? Qu'est-ce qu'elle me fait? Disa! Wandida! Eh, hey, dépêche-toi d'aller dire bonjour! Non, 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 tu vas pas sur la tombe. Elle est là. Hé, hey, où tu vas dormir, toi? Bon, c'est pas la chambre, c'est pas la bonne, mais bon, pas grave. Alors, il y a un truc qui va pas, puisqu'ils sont tous mal à l'aise. Ça veut dire que doit y avoir un truc qui traîne par là. Il y a le sur le. Ah d'accord, c'est ça. Alors, aller aux toilettes, prendre une douche,
j'arrive à prendre. Oui, quand donc j'y pense avant que ce soit trop tard. Je sais pas où c'est qu'elle est. Une photo. Ah merde, elle est dans l'autre sens maintenant. Ah, crottin, 8. Ah, meilleure créature du vide. Ok. Prendre une photo. J'espère qu'on va arriver à la voir. Ouais, c'est bien la fille à Caleb, hein, même tranche. Il n'y a pas de photo possible. Tu es pas vampire, mais tu es bien la fille à Caleb. Ah, j'ai pas appuyé sur le bouton. Oh là 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 là. Hop. Ok, ça c'est fait. Nettoyer la petite. Non, tu as pas joué à la poupée, s'il te plaît. Alors, prendre des restes. Utiliser. Prendre une douche. Et elle ira dodo. Et ça va être le grand jour. Dormir. Elle. Ben, il dort chez toi, il peut pas te téléphoner, n'importe quoi. Meshka. Tu peux pas le réveiller? What? Bien sûr que c'est. Oui. Parsagap Rebe. Varanoi. Allez, fais ce que t'as à faire. Hé, la grande sœur, ça y est, c'est fini. T'as plus à protéger ta petite sœur, là. Ah. Alors. Ah,
so brass. Bon, j'espère qu'elle va pas nous faire un bébé, c'est pas prévu ça. Alors, tu allais faire pipi et nous annonce pas ça parce que ça va pas le faire pour le challenge suivant sinon. Utiliser. Qu'est-ce qu'elle a qui lui plaît pas là? Ah. Alors, allez, on va fêter l'anniversaire après avoir fait le test. On va le faire là-bas. C'est bien, elle n'est pas enceinte. Tant mieux. Alors. Non, non, mais c'est pas le but. Hein. Alors. Allez sur le pot. J'ai perdu le futur. Il est passé où? Parti. Ah oui, d'accord. Ah oh non, il est là. Oh, il fait le ménage, c'est pas mignon. Oh, Neeb. Donc toi, faudrait que tu te lèves. Être obligé d'attendre qu'elle rentre de l'école, la petite. Enfin, la deuxième, pour pouvoir... faire l'anniversaire. Lève-toi, Bananous. Simona's arrow? Gibbs? Groshos. A finesse. Simona's arrow. Gibbs. Oh. A fluke tool. Sibawam. Pifatau Bifangi. Fluhane. Sont enseignés sur l'auteur favori. Slefen Ajlamina. Allez, c'est faire. Alors. On va prendre une douche.
Glaive Narza. Oh, Narza. Siphony Frost. Sinner Shay. Huzzah! Il s'en va. Soul. Elle aussi. Menu. Non, mais elle arrive. Alors. Elle est bien, donc on va continuer à lui faire monter son niveau. On va attendre que sa sœur rentre de l'école. On fêtera l'anniversaire. Chaye, elle travaille pas? Ben si. À 10h. Donc, ça ne devrait pas tarder. Voilà, elle part bosser. Salut Apo, comment vas-tu? Alors il nous reste plus que la ptiote qui n'en peut plus de la vie. Donc, qui va aller au dodo. Voilà. Tu vas arrêter ça, tu vas ranger ça. Vengeance privée. Donc, je sais pas si le pot là-bas il était HS. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ce truc? Pas trop. Truc bizarre. Nous avons trouvé une lettre d'amour d'Esmeralda. Son instituteur va avoir de gros amis. Voilà. Non, toi, tu peux pas faire la super vente avec ta sœur. Ça, je ne sais absolument pas ce que c'est. C'est le... Ah si, je sais ce que c'est. Mais il est mort. Ah, nous avons un mort. Monsieur Citrouille est mort. Bon. Bah écoutez, c'est des choses qui arrivent. Désherbé. Tout arrosé. On laissera Chai vendre. Je savais pas que Monsieur Citrouille a une durée de vie bizarre. Enfin, nous aurons plus Monsieur Citrouille, donc voilà. Nous avons un mort.
Alors, ben on va attendre que Shai rentre et là on invitera tout le monde pour l'anniversaire. Et ce sera la fin de l'épisode bonus. Et la fin du challenge Big Sister. Voilà, voilà. Je serais curieuse de voir à quoi cette petite va ressembler. Donc quand j'aurai fini hors live, ce que je ferai, comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent qui était le final, je partagerai donc les fonds du foyer en deux. La moitié, je le donnerai à Maïder puisqu'on fera le challenge du meilleur éleveur avec elle. Sachant que j'ai déjà fait la maison qui est juste à côté. Vous la découvrirez quand on commencera le challenge du meilleur éleveur. Ensuite, elle ne pourra pas habiter avec son fiancé, c'est interdit par le challenge. Mais ça, on le reverra aussi. Mais bon, ça ne lui empêche pas de même se marier avec. Et de même se marier avec et de, ben de tout simplement de ne pas vivre avec, voilà, comme a fait Shai là avec avec son mari Caleb, que je réincorporerai hors live dans la maison, voilà. Donc on s'occupera plus du tout de ce foyer là dans l'autre challenge, mais elle viendra voir sa sœur et on verra les choses évoluer quand même, hein. Voilà, on va pas les abandonner du jour au lendemain. J'ai vraiment un problème avec le wifi. Alors. Donc ici. Quand elle va rentrer. Ok, tu me saoules à pas vouloir me donner le wifi. Elle, par contre, c'est chaud. Hein. Quand elle va rentrer, alors elle se prendra. Se prendra un repas rapide. Ok. Puis si on peut, elle fera ses devoirs. Ici. Elle se fait piquer par les abeilles, elle est pas contente. Mais vraiment, c'est embêtant, on a perdu notre petit monsieur citrouille. Pourtant, je l'entends parler. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre, ce serait bien bizarre. Alors. Tout le monde fait ce qu'il a à faire, c'est bon. Alors, Esmeralda est revenue. Donc, elle va faire ce qui est prévu. Pipi, papapapapam. Puis, elle fera. Ses devoirs. Et on va attendre que Shai rentre pour faire l'anniversaire de la petite et on se quittera là-dessus et sur le challenge Big Sister. Ben non, il n'est pas mort, mais alors c'est quoi ce truc que j'ai là?
Il sort d'où? Je crois qu'il y a un petit bug là, avec ça. Alors, bon, alors, on en est où là? Bah, il est pas mort, non? Il est bien là, hein? Il n'y a plus son arbre, ça qui est bizarre. Alors, on va pouvoir faire l'anniversaire. Alors. Donc. Organiser un événement social. Donc, une fête d'anniversaire. Ok. Le sim célébré, c'est la petite. Alors. Der Chaïa. Évidemment qu'on va inviter. Voilà. Le papa. Bien sûr. Démonia, Elodie, la cousine, la belle-sœur, je sais pas s'ils vont venir en étant vampire, sa sœur, beau-frère. On n'a pas l'autre cousine, non. Je le veux pas parce qu'il bouffe les gens. Qu'est-ce qu'on pourrait inviter d'autres? Elle, Madame Lynx peut-être? Non, on peut pas. Bon, on va faire ça. Traiteur, bien sûr. Un mixologue. Allez, comme ça, s'embête pas. Pourquoi je suis grisée? Ça l'a pas pris, là? Alors. Donc, on a dit sa tante. La nounou est déjà là. La cousine, le petit ami. Le papa, le beau-frère, la belle-sœur. On va inviter Yuki, Soubiane. Madame Lynx, si on va la faire venir. Et on n'a plus le petit copain de... Ah, c'est dommage, ça. Si, on l'a. Et on peut plus... Non. Ok. Traiteur. On a dit un. Mixologue, ok. C'est parti. On a déjà un gâteau, donc on pourrait peut-être le sortir. Plus de reste, ouvrir. S'ils me l'ont pas attaqué, tout va bien. Bah, j'en veux un. Il y en a trois dans le truc. D'accord. Voilà.
peut mettre le deuxième aussi. Alors, on va lui faire ajouter les bougies d'anniversaire. Pendant ce temps, on va la réveiller. Toi, tu as arrêté ce que tu fais. Donc la petite, hop. Plus de choix. Non, c'est pas ça. Amical. Bon, c'est sur le gâteau qu'il faut que je clique banane. Alors, demander de l'aide pour souffler les bougies. Ben attends, si tu m'as demandé à papa, non? Bon, ben, écoute, il y a maman à côté, remarque. Raconter des blagues en attendant qu'elle souffle ses bougies. Ok, elle va vieillir donc. Ta-da-da-dam, roulement de tambour. Alors. Qu'est-ce qu'on pourrait la mettre, elle là? Petit génie. Allez, hop. Et génie. Alors, on va finir l'anniversaire. On verra ce qu'elle à quoi elle ressemble après. On va mettre sur pause. Ben, écoutez... C'est vraiment les... Enfin, elle se ressemble beaucoup avec sa sœur, Esmeralda, et elle ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup à Caleb. Il n'y a pas à chier. Alors, forme une bande. Avec sa sœur, son papa. Bon, on va mettre Monsieur Citrouille. Allez, go. Alors, raconter des blagues. Hop. T'as pas le temps de discuter. Alors, raconter des blagues. Ben, va raconter des blagues là. Mais tu connais pas. On va perdre du temps. Drôle. Faire une imitation. Tu vas aller voir la nounou. Drôle. Plaisanter sur les éléphants. Faire écouter la chaîne Ifi à 3 personnes. Alors, écouter. Plus de choix. Oui, mais ça ne veut pas faire ensemble. Manger de la nourriture. Ben, prendre un morceau tous ensemble. Allez, c'est parti. Et faire écouter la chaîne Ifi à plusieurs sims en même temps. Écoutez du disco moderne ensemble. Ça me fait du yoga. Oh.
les deux là. On va remonter les besoins avec le code de triche, on s'en fout. De toute façon, puisque c'était juste pour voir à quoi ressemblait la petite. Le challenge est fini depuis l'épisode précédent. Donc. Ok. Allez. Elles ressemblent vraiment les deux. Hein. Je suis verte. T'as pas raconté de blague? On m'a acheté du gâteau, on l'a déjà fait. C'est pas grave. Hein? Raconte une histoire débile à ta sœur. Ça lui compte pas? Bon. Cinta. Pour ça. Une, et là, ça n'a pas marché. Drôle. Raconter. Oh. Nor, Ladish. Sans son s'en fout, continue. Qui a éteint la radio? Personne. Tu vas perdre ton truc d'anniversaire, ma belle. Swinkey, three. Bon, le gâteau, ça va être bon. On arrête de manger. Il nous en manque un. Ça c'est bon, on arrête. On n'a pas de mixologue, tiens. Bon ben. Préparer une boisson pour tout le monde. Allez, hop.
Pinto. Wait, Tobin. Faire en sorte que le Sims qui fête son anniversaire parle en étant heureux. Oh bah oui, mais là. La mixologue arrive maintenant. Max, t'as dit enlacer ton papa déjà? Non, pas toi. Ma femme à boire l'autre ou elle fait quoi là? Arbini! Sparza! Guapo Bora! Your Drinka. Souflo Zume. Sator. Qu'est-ce qu'elle fout la mixologue là? On va faire que Chai fasse les boissons. Hein. C'est moi. Bonne. Allez hop. Zag. Kubi Oguru Zamonis Arrow Kolarga Zakuni Sensen Gorge Yarba Alors, ici Palachaba Gipsy Yalau Nibana. Il faudrait peut-être que je fasse un groupe avec elle, alors, hein, à ce moment-là. Former une bande. Hein. Alors, qui c'est qu'il y a? Il y a Lilith, il y a lui. Hop. Oh, la petite, elle peut pas boire, elle. Oh, ben, l'anniversaire est fini. Tant pis, on va tenter. Ok. Ah oui, elle mange des trucs. Bon, on va aller voir à quoi elle ressemble dans le casque et on en restera là pour les épisodes, le dernier. Allez, on va aller la modifier dans le casque et on en finira pour le challenge B-Sixer avec le petit bonus, celui-ci, de voir à quoi ressemble la bambine maintenant. Or là, il veut ce que je ferai, donc ben, je lui ferai sa chambre, à la place de la chambre bambine. Puisqu'on continuera, je vous l'ai dit, à avoir cette famille quand même. Même si Maïder déménage, qu'on fait notre challenge avec elle, évidemment qu'elle va continuer à fréquenter sa sœur, ses nièces, etc. Donc hors live, j'arrangerai juste la chambre de la petite bambine, voilà. Et voilà. Yabalaragaba. Alors, ici, on a donc Esmeralda, l'aînée, qui ressemble quand même pas mal à Caleb. Donc, elle, on lui avait fait une tenue. Bon, ça casse pas trois pattes à un canard, mais on va plus les jouer, donc voilà. Et Bella, donc, mis à part qu'elle n'a pas les yeux bleus comme ça. Eh ben si, comme sa sœur, non. Ici.
Ouais, ça sent les yeux bleus, pas elle. Ouais, c'est vraiment le portrait de Caleb. Il n'y a pas à tordre. Hein. Bon, on va lui laisser. Donc, on va l'habiller pour tous les jours. À la limite, on peut lui laisser ce qu'elle porte, hein, si elle n'est pas trop mal vêtue. Sport. Oh, non, là, ça va pas. Sport. Elles sont rondouillardes quand même. Elle est créative, elle, donc on va dire qu'elle est très très féminine. La petite fille, voilà, on va la mettre en rose. Voilà. Hop. Alors, on va faire ça bien, comme ça j'aurai pas à y revenir dessus. Donc les chaussures. On va dire qu'elle, c'est la petite, la vraie petite fille. Ok. Donc, on va lui changer sa tenue de tous les jours. Pour voilà, tous les jours, ça fait un peu beaucoup habillé. Elles sont rondouillardes. Hein. Et elle va à l'école, elle va à l'école. On va lui mettre ça. Très bien, rose. Tenue de soirée. On va lui mettre la même que sa sœur. Pas très original sur ce plan-là. Voilà. Les chaussures. Sport, on l'a fait. Nuit. On va lui mettre... ça. Chemise de nuit. La vraie petite fille, on va lui mettre, je ne sais pas. Hop, voilà. Tenue de soirée. Ce qu'elle porte actuellement, qui ne va pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On va faire la vraie petite fille. Hop, avec... au niveau du maillot de bain. Au niveau de la tenue été, on va lui laisser celle-là, mais en rose. Et on va lui mettre les petites chaussures comme ça. Et la tenue hiver. Pas très joli, mais bon, on va pas s'y attarder. Voilà, on va lui mettre les gants.
Et voilà donc ici on pourrait faire ça peut-être. Donne quoi? Ouais. Ok, sa sœur elle a tout qui est prêt. Par contre, on lui a pas changé une seule fois la coiffure. Même si on joue pas avec, autant le faire bien. Vous savez que de ce côté-là, je suis un peu chiante. Ah, elle a les yeux verts, elle. Ok. Bon, pour. Alors, on va lui remettre ses tenues, par contre. De tous les jours. Donc. Tes cheveux. Faire long. Alors, qu'est-ce que ça donnerait comme ça? Non, ça va pas. Voilà. Plus comme ça. Pour aller à l'école, studieuse. Alors, habillée. Voilà. Sport. Mais t'es pas brune, hein? Voilà. Ah oui, mais ça va pas là. Ça fait pas joli du tout. Donc, sport. Voilà. Nuit. J'aime pas ça, cette coupe. Je n'aime pas cette coupe. Voilà. Pour les fêtes. Voilà. Pour la piscine. Alors, été. Voilà. Et l'hiver. L'hiver. Temps froid. Ah oui. Et on va lui mettre, si on peut, ça passe, un chapeau. Un bonnet. Nickel. Ok, donc on voit si toute cette famille est bonne. Donc toi normalement c'est bon, mais enfin on va vérifier. Tenue hiver. On va peut-être te mettre si on peut, mais je sais pas si ça va passer. Un bonnet comme ta sœur. Qui avait la tenue. Nickel. Bon, mais voilà. Hein, donc, il faudra déménager. Maïder. Pour le prochain challenge. Shai va rester toute seule avec ses filles. Je ferai réhabiter Caleb avec elle. Donc, on va revenir. Alors, ici, je peux toujours pas changer ça. Ça m'embête. Mais bon. Ok. Donc voilà, ben on en a fini avec le challenge Big Sister et le petit épisode bonus là pour voir la petite à quoi elle allait ressembler.
Donc c'est vraiment la tête du papa Caleb. Donc ce que je vais faire en live, ben, c'est aménager la chambre qui était en bambine en école, en élève d'école primaire, puisqu'elle vient de grandir. Je vais faire réaménager Caleb et je basculerai avec la moitié de l'argent qu'on a vu dans ce challenge. Sa sœur va lui donner la moitié de son argent. Et je ferai déplacer Maïder dans la maison d'à côté. Et on continuera cette partie petit à petit quand on commencera le nouveau challenge. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. On va rester là donc pour la fin du challenge maudit héritage. N'importe quoi. Le challenge Big Sister qu'on a réussi. Un challenge de plus Sims 4 terminé. Si vous voulez avoir les règles de ce challenge et ce qui s'est passé et voir comment ça fonctionne, vous avez la chaîne YouTube en bas. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Un petit pouce en l'air, ça fait plaisir. Et ça mange pas de pain, comme on dit chez nous. Merci à vous tous YouTube aussi. N'hésitez pas à venir sur Twitch aussi, faire un coucou, il n'y a pas de problème. Et ceux de Twitch, n'hésitez pas à aller vous abonner sur la chaîne YouTube. Vous verrez tous les jeux que je présente en dehors des Sims. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Moi, en live, je vais faire tout ça. Et on se retrouve très vite pour un prochain challenge qu'on a déjà commencé. Ce sera sûrement, je pense, les 7 péchés capitaux. Ou peut-être le Glirivirus Génération, je ne sais pas. On verra ça une autre fois. Je vais mettre sur pause. Je vous remercie à tous d'avoir été si nombreux à me suivre pour ce challenge qu'on a gagné ensemble. Voilà. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode des Sims 4 et un prochain challenge. Sur ce, passez une bonne fin de soirée. Bye bye.